Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Body Time. C'est un grand honneur. Ce soir, c'est enfin la sortie de nos programmes Train With Me. Donc avec Alex, on est vraiment content. Mais qu'est-ce que c'est Train With Me? Train With Me, c'est quoi? Ça va être un programme où dedans, on va détailler toute notre alimentation, tous nos entraînements, bref. C'est vraiment très complet. Et justement, à l'occasion de cette sortie, on s'est dit qu'on allait filmer notre dernière semaine d'entraînement avant le lancement de ce programme. Donc c'est parti, faites-vous plaisir. Hey, salut à tous, c'est Alex et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez nous suivre avec PJ pendant une semaine. Donc là, c'est lundi matin. Aujourd'hui, je dois aller chercher ma petite sœur pour l'amener à l'école. Et tout de suite après, je vais rejoindre PJ sur Lyon. On a 2-3 rendez-vous, on va s'entraîner, on va faire du sale, on va tourner. Bref, vous allez tout voir, l'entraînement, la bouffe pendant une semaine. Et je peux vous dire que ça va être sale parce que les deux semaines qui précèdent là, on a fait beaucoup de déplacements, on s'est beaucoup déplacé. Beaucoup de déplacements. Bref, ça va être très sale. Salut à tous, lundi matin. Donc c'est parti pour une semaine complète que vous allez passer avec nous. Et donc là, j'attends Alex qui arrive de Grenoble et on va vous filmer tout ça le quotidien. Allez, c'est parti. Et les bouchons, et les bouchons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on prend le temps de repos. 1 minute 30 à 2 minutes. Ok? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Dis, on mange propre, on s'entraîne sale. Dis. C'est pas dire. Alors dis garder la pêche. Garder la pêche. Tiens, tiens, dis-le là, fort. Garder la pêche. Et c'est parti, direction Lyon. Ça y est, j'ai rejoint Alex entre il m'a rejoint à Lyon. Là, petit rendez-vous avec le graphiste là, pour les Train With Me. Et après, gros training. Le ça, bien sûr. Rendez-vous terminé, plutôt bien passé. Ça va. Plutôt satisfait, ça avance bien. Plutôt content. Et là, direction la salle pour faire du sale. Ah oui, comme jamais, jamais. Ah, je voulais juste dire un truc aussi. Souvent, vous nous demandez ces pulls d'où ils viennent, parce qu'on les porte dans les vidéos. Aujourd'hui, il m'a copié d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On peut pas vous le dire parce que c'est des prototypes, mais c'est une nouvelle marque et ça sort bientôt. Ne vous inquiétez pas, on vous dira tout ça. Voilà. Voilà. Bonne intervention. Allez, c'est parti, dernière série Eurowing, c'est le premier exo avec Violetta, cheveux brun violet. Allez gros. Donc il n'y a pas de chauffage à Giga Gym. Donc on est tous un peu habillés. Allez gros. Beau gosse. Et voilà. Je sais pas si PJ vous l'a dit, mais exceptionnellement, on a les mêmes séances lundi, mardi et mercredi. Vu qu'on s'entraîne ensemble à la même salle, on s'est dit qu'on allait faire ça. Sinon, on n'a pas les mêmes séances d'habitude. Allez, gros, allez, allez. Ouh, le dégressif de bâtard. Voilà. Allez, gros, allez. Le mec il va finir avec le poids de ses bras quoi. Eh ben c'était sympa cette séance. Allez salut. Et alors Violetta, on parle de moi? Ah ouais? Le corbac est de retour. Baby, won't you come my way? Got something I want to say. Allez on se rhabille et on attaque. Ça, ça faisait viril ça. Allez gros. Allez. Allez. Faut y aller. Allez gros. Voilà, là voilà. D'accord. Tu me détestes? Viens faire un petit gros plan là.
Oh le BG. Tu ne fais pas ton cri de guerre à la fin? Le core bike. Allez. Allez, Fragilus là. Allez, allez. Allez, encore deux comme ça. Et voilà, training fini. Training terminé, c'était sale. On a fait des bons dégressifs. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger, d'aller se casser le ventre. Ça va être propre? Ouais, ça va être propre. Brochette de poulet marinée, ratatouille, pâte au blé complet. On est bien. Et alors, on arrête de mater des meufs sur Instagram, là, de brancher. Pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, taf terminé, c'est quelle heure? 20h. Voilà, on bloque pour aujourd'hui. Et petit repas qui est en train de cuire. Donc là, il y a des steaks hachés de poulet. Il y aura du saumon. Pêché ce matin. Voilà, pêché ce matin. De la soupe. Potiron, lait de coco, citronnelle. Voilà. Vous voyez qu'on aime bien préparer à manger, nous. On prépare tout, quoi. On coupe les légumes. Et en glucides, ce sera du pain. Allez, focus. Bon, bref, en glucides, ce sera du pain. Oh putain, le mec prend des risques. Le mec, toi t'aimes le risque, toi t'es un joueur. Hein. Allez, un squat. Allez, joli. Allez, allez, allez. Et voilà. Et le petit déjeuner ce matin, petit déjeuner de cow-boy, et du son de blé avec un peu de la confiture de la mère APJ et du fromage blanc 0%, jus de citron, jus d'orange, compote, une prote kiwi, fraise kiwi, enfin, framboise kiwi, deux petits pancakes, un pain au lait, du miel. Putain, j'ai du mal ce matin. Voilà quoi. Eh oui, comme vous voyez, on peut se faire des petits déj de cow-boy, des petits déj de solide, sans manger des trucs dégueulasses, quoi. Ah bah super, c'est très gentil. On passe aux questions-réponses? Allez, c'est parti. Tournage vidéo, ça parle de quoi, des bzaises? Ça parle... La poitrine. Qu'est-ce que t'as fait, gros? Allez, pourquoi t'as une balle de tennis sous la joue? Pourquoi? Je sais pas, je me suis réveillé comme ça. Et c'est pas les dents, hein. J'ai dents saines, mais je sais pas. Ah oui. Tu le fais avec les deux mains maintenant? Hein? Parce que la dernière fois dans la vidéo, elle a fait juste ça. Hugues. Et très vite, là, vous avez aussi des nouveaux produits avec les casquettes, les bonnets, vous avez les traîneaux, bref, il y a plein de choses à aller faire un tour. On vous dit à très vite, et surtout d'ici là, gardez la pêche. Agilité. Regardez-moi ça. Et tu leur parles aussi ou pas? Ouais, je la caresse. Quelle ambiance à moins 15. Il fait moins 15 degrés. C'est le moment d'aller à la salle. Hors taxe. Moins 30 TTC. C'est le moment d'aller à la salle. Donc on va faire notre séance préférée aujourd'hui. Les gars. Les jambes. Ouais. Ça va être sale, comme jamais, jamais. Et bien sûr, on va finir le tournage de la vidéo ventre plat avec PJ et Roxane. Et puis tout de suite après, ça va être sale. Et en plein tournage, juste avant de s'entraîner. Oh là, mais qu'est-ce que tu fais? Combien t'en as mis? 5. 5 cuillères. Donc le mec, attends. Nous déjà, on prend pas trop de boosters. On en prend rarement avec PJ. Là, c'est du Redweiler, il voulait nous faire tester. C'est Alan. Qui gère la salle, Giga Gym à Vénissieux. Il a mis 5 cuillères alors que c'est un pro workout, t'en mets une, c'est ça? 3. Ah, 3? Le problème, c'est bah, nous on en met une en tout cas pour tester. Allez,
niggas feel tired. Feel weak. C'est génial là. C'est dur. Dernière série de squats. En dégressif. Putain. Un peu plus et je. J'aurais chialé comme PJ. Allez, soulevé de terre. Oui. Toi aussi c'est un reggae man. Allez gros. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Allez, gros. Allez, gros, allez. Allez! Allez, Ben! Oh. Allez, gros, allez! Bien! Allez! Ah, tu peux descendre un peu plus! Alors? On décède? Oh putain, j'ai plus. Allez, marcher. Allez, allez là, c'est à mon tour là. Il va pleurer. Allez, c'est la dernière en dégressive là. Allez, il n'y a plus rien là. Allez, encore une, encore une, encore une, encore une. C'est bon, Jason. C'est en forêt. Un petit mot pour les body timers. Les body timeuses. Regardez la pêche. Il était fragile. Ouais. Est-ce qu'il peut marcher? Marche un peu pour voir. Ah, il s'est pas donné à fond. Il peut encore, il peut encore. On s'entraîne à faire quoi là? J'expliquerai quand on sera plus vieux. Oh, lui en plus il met les mains derrière la tête quoi. Et alors on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement. Faut lui dire que c'est mort les mollets gros. C'est fini. Ça sert à rien d'avoir des mollets. C'est plus la mode? Non, c'est plus la mode. C'est maintenant c'est les tibias très fins. Allez. Petit resto pour changer asiatique. Voilà. C'est propre. Toujours gros. Poulet, poulet, salade et salade. Machin de printemps, rouleau de printemps. Donc peu de glucides. Et moi. On ira chercher une deuxième assiette. Et moi, deux, trois sushi, maki, rouleau de printemps, poulet et salade. Tout ça c'est clean. Deuxième assiette pour moi, focus. Voilà, avec un peu de poulet. Bon, il y a un petit peu de gras dessus. Tomate, mozza et un peu de glucides avec des légumes aussi dedans. Et toi Alex? Moi j'ai repris exactement la même assiette que la première. Bien, il diversifie son assiette. Voilà, mais t'inquiète. Eh, c'est quelle heure? Eh, eh, 8h-20. C'est 8h-20 et on va voir un match. On a rendez-vous, on est invité pour voir un match de Champions League. On a rendez-vous à quelle heure? Au Stade Gerland. On a rendez-vous dans 2 minutes. Parfait. Oh gosse. Allez, tu te défends. Allez, Sissou. Et voilà, il vient d'avoir un but, 1-0. Je crois que c'est Tony Verrel qui a marqué. Sur une passe de... Sur une passe de Juninho, crochet de Sonny Anderson et ciseau de Sonny debout. Et voilà, le match terminé et il y a eu 2-1. Lyon, ils ont perdu. On sait pas. Le nom, on n'arrive pas à le prononcer, mais bref, ils ont perdu Lyon. Il faisait froid, il pleut. Pleuvait, mais en fait, il faisait vraiment très froid. Et à un moment donné, on a beaucoup marché, commencé à se réchauffer. Mais on s'est dit, et si on avait les pieds mouillés? Ce serait sympa d'avoir les pieds mouillés. Donc il s'est mis à pleuvoir, voilà, tranquillement. Parfait. Et c'est 23h08, l'heure de rentrer. J'ai l'impression que ma gueule, elle a encore plus gonflé que ce matin.
dégueulasse, rouge. Parfait. Là, ça va. Dans le noir, on est beau gosse. Ah putain, beau gosse. Quoi? Et alors? Petit étirement du matin, même le sol? La flemme. Ouais, 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 mercredi matin, troisième jour. Il fait super froid, c'est tôt, et on va, on a rendez-vous avec un mec qui réalise des vidéos. Donc, on a une petite idée de vidéo à préparer, et peut-être avec lui. Voilà. Qui risque d'être sympa. Après, direction l'entraînement. Non, on doit aller acheter 2-3 trucs. Ouais. Pour le taf, et après, entraînement. Entraînement sale, pec, bras. Pec, bras. Et voilà, donc rendez-vous terminé. Après, on a mangé en ville avec Alex, avec un wok, donc c'est propre, salade, poulet et un peu nouilles. On a rejoint Jacques. Bonjour. Ça va, Jacques? Bonjour. On a bossé un peu, là c'est parti, on va à la salle. Vous voyez Alex dans sa Ferrari à côté. Regardez-le, c'est fragile. Ça va, fragile? Close. Voilà, donc bien sûr, on va faire du sale. Just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffing. You don't have to call, I hear my. Allez. Allez, juste du bon, c'est à moi là. Ah, ça fait mal le dégressif, hein. Allez, dernière série du dégressif. Encore. Ah, ça nique, hein, même si c'est léger, ça nique. Ça, il s'arrache, voilà. J'ai jamais vu un mec mettre aussi longtemps à enlever un sweat. Ça arrivait pas. À la salle. C'est dur. Transpirer dedans. Il peut toujours pas d'ailleurs. Déjà, il est serré. En plus, je transpire. Ah, c'est bon, libéré. Libéré, délivré. Pas encore la manche. You used to call me on my cell phone. Day night when you need my love. Call me on my cell phone. Day night when you need my love. And I know when that hotline bling. I can know. Allez. Il semble en a un peu, hein. Et Jacques, il est pas bien. Jacques, la malade. Mais Antar, t'es en train d'un pull, hein. Joli pull débardeur, un peu des fragiles. Quoi, tu crois que c'est quoi? T'inquiète pas, je suis toujours sec. Montre un peu l'abdos, montre. Eh, pas mal. Pas mal. Voilà, j'en ai presque terminé, c'est donc le repas avec pour ce soir de la soupe avec courgettes parmesan noisette, colin en poisson et pas de glucides ce soir parce que je pense que j'en ai bien assez mangé aujourd'hui et donc ce sera juste légumes, protéines. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Et là, les œufs. Ensuite, il y aura des poivrons. Une petite soupe. Voilà, au calme, tranquillement, repas du soir. Et voilà mon repas du soir, donc il y a des œufs qui étaient censés être au plat, 3. Des poivrons, un avocat, du pain avec très peu de glucides, énergus et une soupe au chou. Bon app. Et salut à tous, c'est jeudi et là c'est tôt, c'est 7h30, j'ai un rendez-vous avant d'aller m'entraîner. J'ai pris un bon petit déj, mais je suis pas encore réveillé, donc j'espère que... ça me réveillait là, ce froid de yinche. Et salut, jeudi matin, donc pour bien attaquer, petit citron pressé, ça va être une journée au top du top. Et
ouais, c'est parti pour la deuxième séance dos-épaule, donc le jeudi matin, ça va faire mal. C'est l'heure de manger, donc pour ce midi je vais me régaler avec une petite soupe carotte suivie d'un parfait charolais gnocchi maison. Là tout est fait maison ici. Bon, la viande je l'ai pas faite maison hein. Petit repas pour récupérer avec, je sais plus, aubergine, tomates, steak de poulet et œufs préparés par Giacocino et la salade de la maman PJ. Dédicace. Voilà. Voilà, c'est l'heure de la collation avec la prot, un peu de glucides et une banane. Et le repas du soir avec soupe et des steaks. Et vendredi matin avec un bon petit déj. Et c'est parti, après on va faire les jambes. Ok, voilà mon repas de midi. Donc ça c'est pas des cordons bleus, c'est du poulet pané. Il y a un avocat, il y a des poivrons avec des oignons. Et là c'est de la soupe de potiron carotte. Et voilà, je vais me casser le bide, bon app. Voilà, j'ai pas pu y aller ce matin, donc j'y vais cet après-midi. Deuxième séance jambes à la salle. Ça a piqué. Voilà, entraînement jambes terminé. C'est donc le deuxième où j'ai fait squat, fente marcher dans les escaliers, leg extension, leg curl, mollet à la presse et un exo de fessier, les relevés de bassin pour bien se finir et après 10 minutes de cardio, voilà, juste pour compléter un peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis bien bien mort. Il y a certains exos que vous allez retrouver là dans le train with me qu'on attaque demain ensemble. Vous avez vu que là c'était mon programme découpé en 3 séances dans la semaine. Mais à partir de demain on repart sur du half body. Donc vous allez voir que ça pique vraiment et avant les fêtes ça va faire du bien. Samedi matin, il fait toujours aussi froid, il pleut. Mais bon c'est pas grave, j'ai fait un bon petit déj et là c'est parti. Entraînement le dernier de la semaine, on va tout donner. Allez go. Hey, salut à tous, on se retrouve, c'est samedi, il fait un temps de merde. Je suis allé faire un peu les courses pour le cheat meal de midi et en attendant là je vais aller m'entraîner et je vais aller tranquille aujourd'hui parce que je me suis fait mal un peu en quad hier. Donc je suis tombé, rien de grave hein, mais je me suis fait une petite douleur. Donc en attendant d'aller chez le médecin, je vais faire ma séance et si je sens que j'ai une petite douleur, change d'exercice. Et voilà, c'est parti avec Pascaline et Karima. Ça les filles ? Je fais ton boule avant. Merci. Ah, j'ai des bugs là. Oh le faible, comme t'es tombé en arrière là.
Allez, parti. Comme t'es pas. Et l'entraînement ce matin, il était bien sale et aujourd'hui c'est cheat day. Donc là, bon, c'est pas sale, on dirait que c'est sale, tu vois ça. Mais ça, c'est pas sale, c'est une pizza avec la pâte, en fait, c'est du chou-fleur, c'est ça? Oui, chou-fleur et blanc d'œuf. Chou-fleur, blanc d'œuf, c'est la pâte. Puis ensuite, dessus, il y a des poivrons, des oignons, œufs et le fromage, c'est quoi? Carré frais 0%. Carré frais 0%. Blanc de poulet aussi. Et du blanc de poulet. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne du programme DS et c'est Capucine qui l'a faite. Et donc, parce que bon, c'est bien trop propre pour un cheat meal, ça. Ça sera juste l'entrée. Et derrière, il y a des gnocchis qu'on a pris chez le traiteur. Parfait de charolais. Parfait. Nickel. On va se casser le ventre. Hein. Et ce soir, on est invité à manger. Et ce soir, c'est chez Yanis et Laura. Ouais. Raclette. Donc, ça risque d'être encore très très sale. Et voilà, samedi soir, ça fait que bon. Ouais, ça va donc. Cheat meal avec Sylvain. Ciao. Bien placé. Et voilà, dimanche matin, un peu dur le réveil comme d'hab. Mais bon, ça va. Donc aujourd'hui, ça va être juste à midi encore un petit meal avec un petit KFC ce soir propre. Et cet après-midi, si j'ai la motive, un petit footing. Oh my god. Tranquille, histoire de profiter un peu, il fait pas trop mauvais, donc voilà. Et voilà, petit repas propre, enfin assez propre pour Roxane. Pas trop pour Jason et moi non plus. Tu vois ? C'est bon ça, c'est de la prot, ça va ? La bonne prot. Et voilà, bon app, dernier cheat meal de la semaine. Et le dessert, supplément caramel, ça va être sale. Alors je vous parle, c'est lundi 30 novembre et il reste plus qu'une petite semaine avant la sortie de TWM. Et vous, quand vous voyez la vidéo, c'est que le projet est sorti, le bébé est enfin sorti. Donc si vous voulez un bon entraînement, vous pouvez vous entraîner avec PJ, PJ Army, TWM, PJ. Après, si vous voulez devenir une machine, avoir un physique au top du top, vous savez que c'est le mien. Non, bien sûr, c'est pour rire, les deux sont super. Maintenant, on a super hâte que vous vous entraîniez comme nous, vous mangiez comme nous, et puis qu'on se retrouve, qu'on fasse des vidéos ensemble, parce que chaque mois, on va en sélectionner. Moi, un PJ va en sélectionner un pour venir s'entraîner, manger, passer la journée avec nous. Ça va être lourd. Bref, en tout cas, on vous laisse sur quelques images de TWM. Pensez à vous abonner, à partager, à liker. C'était Alex. On vous dit à très vite, et surtout d'ici là, gardez la pêche. Abonne-toi à notre chaîne. Et pour la deuxième chaîne, clique ici. Tu veux t'abonner à notre deuxième chaîne.